Voilà, Renaud, vous venez de terminer la partie contre les Citizens par un score qui n'est plus qu'honorable, puisque c'est 7-29 et à la mi-temps, c'était 7-8. Donc, vous avez fait une solide remontée. Que penses-tu du match? Parce que vous venez évidemment de première division, vous êtes évidemment fort aguerri au rugby belge, tandis que les autres Citizens sont des nouveaux venus, enfin depuis 4 ans, mais enfin, ils sont nouveaux venus. Comment s'est passée la rencontre à ton point de vue? Ben, disons que on est aguerri, mais enfin on a quand même pas mal de jeunes qui montent, on a quand même restructuré pas mal l'équipe. Donc clairement il y a quelques anciens qui ont l'expérience de la D1, mais enfin on a un groupe qui est plus jeune, donc on savait pas trop où on allait, on savait pas qu'est-ce qu'on allait rencontrer comme niveau de jeu. Honnêtement, je tiens à féliciter les Citizens parce que c'était très dur et on est très content du match parce qu'on a gagné, mais c'était très très dur. C'est ça, c'est évidemment que vers la fin qu'il y a eu une. Vous les avez dominés, peut-être est-ce le physique ou bien est-ce la. Qu'est-ce qui s'est passé à. Vous Eh avez relevé la ben, tête. je pense qu'on a fait preuve de pas mal de maîtrise. À 8-7, on a un temps faible et on lâche pas. Et à ce moment-là, on repart. Et c'est vrai qu'après, peut-être qu'eux perdent un peu confiance aussi. Et là, on enfonce le clou et ça s'est joué vraiment à la fin. Effectivement, ils ont vers la fin, enfin non, plus que vers la fin, depuis la deuxième mi-temps, ils ont un peu craqué. Oh, sinon, dans l'ensemble, le match était relativement correct, en dehors de petites à gauche ou à droite. Mais enfin, dans l'ensemble, c'était un match sympathique à voir. Oui, je pense qu'il y a eu quand même du jeu, je pense que sur le bord de touche, vous n'êtes pas ennuyé. Après, c'est un match de rugby, donc c'est engagé, forcément, il y a des contacts, mais c'était dans un bon esprit, donc aucun problème avec ça. Mais c'est un beau démarrage pour la deuxième division, parce que je suppose que vous avez quand même comme objectif de remonter, si pas c'est ici, du moins On dans a le plus court délai possible. pour objectif de bien se restructurer, d'être performant. Voilà, après, si on suit ça, clairement, on essaiera de remonter. Mais voilà, on va d'abord jouer, c'est un peu bête, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais on va jouer les matchs les uns après les autres. Et si on doit jouer la montée, alors voilà, on le fera à fond. C'est ça, je te félicite et au plaisir de se revoir sur un Alors, terrain. merci à vous. Merci Renaud.